Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouvel item de Fortnite qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc ce nouvel item, c'est les nanites extraterrestres. Donc maintenant, vous allez pouvoir trouver des nanites extraterrestres soit par terre, posées comme ça au sol, soit dans le vaisseau mère, ou soit au-dessus des ravisseurs. Alors au-dessus des ravisseurs, je comprends pas trop cette phrase. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais grâce à ces nanites, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'améliorer vos armes. Donc bien entendu, il vous faudra l'arme adéquate pour créer une arme extraterrestre avec cette nanite. Et en plus de ça, il ne vous faut qu'une nanite pour créer une arme. Bien entendu, il vous faut l'arme adéquate. Donc après, les armes que vous pouvez créer, je vous les montre dans le gameplay. Donc vous avez quand même une assez grande liste de propositions, de choix, d'amélioration d'armes grâce à cette nanite extraterrestre. Donc voilà. Après, ce n'est pas tout parce que ce nouvel item va aussi vous permettre de créer une atmosphère d'alien. Donc comme je vous le montre dans le gameplay, quand vous allez lancer cette nanite au sol, ça va créer une sorte de cube. Et dans ce cube, vous allez être en apesanteur comme si vous étiez dans l'eau et que vous pouviez nager. Alors quand vous allez appuyer sur X, vous allez vous propulser vers le haut ou vers la direction que vous vous dirigez. Et si vous voulez descendre, vous vous accroupissez et ça descendra automatiquement. Donc voilà comment on peut voyager dans cette nouvelle atmosphère extraterrestre. Alors précédemment sur ma chaîne YouTube, j'ai montré Holy Edge aussi qui est devenu un lieu extraterrestre, donc avec cette même apesanteur. Et c'est possible que d'autres villes arrivent aussi sur Fortnite avec cette atmosphère extraterrestre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.